Et vous avez des partenaires français qui pourraient être aidés par la région pour intervenir dans l'éducation en matière égyptienne. هل يوجد منظمات مصرية ممكن تكون يعني تتعامل مع الريجيون علشان en dehors du lycée français de l'Alliance française شركاء مصرية على مستوى الإقليمي ومستوى الحكومي vous parlez sur un niveau social ou plutôt gouvernemental ou n'importe je pense par exemple à des écoles françaises catholiques qui pourraient avoir envie d'avoir un projet en Égypte que vous auriez pu connaître par l'Église copte ou bien des associations humanitaires ou des groupes scolaires français. Les universités. Les écoles chrétiennes sont ouvertes pour tout le monde. Que ce soit catholique, orthodoxe ou protestant, elle est ouverte aux chrétiens et musulmans. Bien sûr, mais comme en France. Ça peut se faire à travers une coopération soit avec les écoles, soit avec les églises. Du fait que tout est ouvert pour tout le monde. سواء التعاون ده في إقامة مدارس أو تدريب مدرسين أو إعداد مناهج من خلال المناهج اللي بتحطها وزارة التعليم المصري أو من خلال وجود برامج جديدة في اليوم الدراسي في كل مدرسة. Ceci peut se faire soit par la création d'écoles, soit par la formation, comme il l'avait dit tout à l'heure, soit par des programmes nouveaux. Voilà, je pense que c'est les trois choses. Ce qu'on pourrait faire déjà avec Aude, que je vois recroquevillée sur sa chaise, ma directrice des affaires internationales, c'est qu'on pourrait déjà accueillir peut-être un certain nombre d'étudiants qui veulent devenir professeurs en France. La question, c'est, ce ne sera pas dans un univers francophone, les écoles. Donc du coup, ce sera un univers arabophone. Il y a un monde qui est responsable de l'international, donc il y a un nombre de talibans pour le travail. Le problème, c'est que quand il y a une chose en Égypte, il y a une chose arabe, pas juste une petite précision, c'est-à-dire des gens qui viennent être formés en France. Oui, tout à fait, parce que nous avons une maison de l'Île-de-France à la Cité internationale étudiante à Paris. Donc on peut accueillir des personnalités qui voudraient venir faire un master ou faire en sciences de l'éducation, par exemple. Mais il faut qu'ils soient francophones. في بيسموه ميزون يعني مؤسسة في سيتي انترناسيونال فممكن عدد من الطلبة ييجوا علشان ياخدوا تريننج كورس بس هي السؤال بتاعها لازم يكونوا فرانكوفون يعني يكونوا اوريدي بيتكلموا فرنساوي ايضا عشان نعمل الخطوة دي نحتاج خطوة قبلها اللي هي زي بعثات صغيرة لتعليم اللغة Avant de peut-être d'accord. Avant de faire d'entreprendre une telle étape, il y a peut-être une étape avant, c'est de faire des quelques délégations, quelques oui. personnes qui puissent apprendre le français en Égypte, c'est-à-dire envoyer des formateurs pour préparer les gens avant qu'ils viennent. Voilà quoi. Il y a des volunteers, في اللغة الإنجليزية. Il y a beaucoup de volontaires anglophones qui viennent de différents pays dans le monde pour aider les Égyptiens à apprendre l'anglais. Donc si on met au point un programme un peu à long terme, il pourrait aider les gens pour qu'ils puissent venir justement faire cette formation. Et est-ce que les Égyptiens auront envie d'apprendre le français ?
ولا رايكم؟ هل المصريين يعني يحبوا يتعلموا فرنساوي؟ Mais donc peut-être qu'on pourrait travailler avec l'ambassade, effectivement regarder avec vous quels pourraient être les projets. Quels pourraient être les projets portés par l'Église, quels pourraient être les projets portés par le gouvernement. Parce que nous, on peut s'engager dans toutes sortes de projets dès lors qu'ils sont effectivement d'éducation. Et qui sont en lien avec la région. Il va donc que tu as travaillé avec le Sefar, pour que nous puissions faire quelque chose avec la Madaris, pour que nous puissions faire quelque chose. C'est une chose correcte. Et la idée des volontaires, les mutatawains viennent et apprennent la langue, les mutatawains dans la langue anglaise, ont un succès énorme. Et nous avons commencé la تجربة قصيرة في تعلم اللغة الفرنسية، بس تجربة محدودة يعني. Ils ont eu beaucoup de succès dans cette expérience avec les volontaires pour les anglophones. Elle a eu énormément de succès. Mais ils ont commencé déjà à faire la même chose au niveau du français. Mais c'est une petite expérience encore. Qui est faite par l'Alliance française. Bah, l'Alliance française, la volontaire. C'est des volontaires. Non, c'est des volontaires. C'est des volontaires qui viennent, c'est pas l'Alliance française. D'accord. Et parce que, en fait, si on veut être très concret, le mieux ce serait de prendre un projet. Ce serait de dire, bon, on fait un projet d'école, vraisemblablement plutôt au Caire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de besoins. On fait un projet d'école et on se dit, bon, bah, cette école-là, on va la monter ensemble et on fera une coproduction. بتقترح ان يعني نبتدي بوان بروجكت واحد اولاني اللي هو في القاهره نعمل البروجكت ده ونشتغل فيه مع بعض ونشوف النتيجه ايه قبل ما ممكن نعمم بعد كده احنا ممكن نستضيف متطوعين لتعليم اللغه كمنحه من الجانب الفرنسي للجانب المصري ويعلموا اللغه مثلا لمده سنه On peut faire ils peuvent recevoir un certain nombre de volontaires et par exemple pour, en tant que menha c'est bourse comme une bourse de la France pour ces personnes pour pendant un an en Égypte ils prennent en charge les frais de séjour. D'accord. Merci Madame la Présidente. Moi je suis partie de cette génération qui a connu les conférences. C'était excellent. C'était des profs qui étaient sur place et qui étaient partis et pour la France et pour l'Égypte. Je ne sais pas s'il y aura moyen de revisiter ce dossier d'une quelconque manière. Ben, on pourrait tout à fait imaginer, Monsieur l'Ambassadeur, que dans le cadre des services civiques, par exemple... سيادة سفير رهيب كان بيقول إن هو من ضمن الجنريشن يعني اللي تعلمت كده فاللي هو الكوبي كوبيرون كانوا بيقضوا التجنيد بتاعهم بين مدينة الرسول هنا في مصر ولكن للأسف دلوقتي إنه التجنيد بقى احترافي وبالتالي ما بقاش في المدرس اللي كان بيجي لنا ببلاش على فرنسا وببلاش على On pourrait imaginer, alors nous ce sera une goutte d'eau hein, parce qu'on est petit, mais on pourrait très bien imaginer que dans le cas des services civiques qui sont mis en place par le gouvernement, la région puisse donner des bourses spécifiques pour le Caire, si on fait un partenariat avec le Caire, spécifique pour un an au Caire. Ça c'est tout à fait possible. À ce moment-là, on pourrait sélectionner ensemble des profils pour aller dans une école pour former vos personnes. Aux Français à ce moment-là, avant de les envoyer chez nous. Enfin, Mais là, c'est très juste en ce qui concerne. Vous faites ça en parallèle ? Oui, tout à l'heure. Vous avez tout à l'heure. Moi, je vous dirais que, en tant que produit de cette coopération franco-égyptienne, je trouve que la France, malheureusement, finance nettement moins l'éducation en français.
Et je vais vous raconter une histoire personnelle. Ma fille a été à l'Université française d'Égypte. Elle est revenue une semaine après en me disant « Je crois que tu peux m'offrir mieux. » Ah oui. Et donc, là, avec une casquette nationale, peut-être il faudra, et vous allez trouver du, et de l'Église et de l'État égyptien tout le soutien, mais on souhaite devenir encore plus francophone en Égypte. On a l'Université Senghor chez nous, on a l'Université française d'Égypte, et on a pas mal de. On a les jésuites, les frères Notre-Dame, les apôtres, on a plein de. Peut-être qu'on n'est pas si nombreux les francophones en Égypte, mais c'est vraiment l'élite de la société. C'est l'Égypte qui compte. Et je le dis vraiment avec toute modestie, mais c'est une réalité. Sachez que l'Égypte est en train de construire une maison d'Égypte à la cité universitaire. Ah, très bien. Et donc, elle devrait être inaugurée en septembre 2022. Donc. C'est les derniers terrains, donc vous avez bien fait. Voilà, voilà. Et je me bagarre pour un deuxième terrain. Alors, si vous pouvez nous aider pour avoir vraiment ce terrain, je vous serai entièrement reconnaissant. Et l'Égypte et l'Église, puisque on parle de 200 chambres supplémentaires, et c'est un terrain adjacent à celui qui nous a été déjà accordé. Oui, c'est les deux derniers terrains. Voilà. Je sais parce que mais, Jean-Marc Sauvé m'en a parlé il n'y a pas longtemps. Alors, Jean-Marc Sauvé me donne pas mal de mal pour nous l'accorder. C'est quelqu'un de formidable, il y aurait une excellente relation, mais ça, ça pourrait être vraiment une source où on pourra, bien entendu, l'Église pourra avoir... Alors pour tout vous dire, pour en revenir à la maison de l'Égypte, pardon, mais il faut peut-être traduire. Oui. Je vous laisse faire, monsieur Anzou. C'est bon, parce que vous avez la question de la question de la question. ربما الذي يتحدثه تعلموا الفرنسية وبالفرنسية ليس عدد كبير في مصر ولكن هم حيث يعني هم في المناطق المهمة وهي مصر المهمة وأنه استثمار في محل وربما أنه فرنسا في السنوات اللي فاتت كانت بتنفق أقل بكثير في مجال التعليم حكيت لها على خبرتي مع بنتي راحت الجامعة الفرنسية في مصر وجاءت لي بعد أسبوع قالت لي أتصور أنك تقدر أن تمنحني تعليم أفضل من هذا. قلت لها وهذا يعني موضوع إنه فرنسا لم تنفق على التعليم الفرنسية والفرنكوفونية كما كانت تنفق في الماضي. عندنا زي ما حضرتك عارف جامعة سنغور الفرنكوفونية وعندنا الجامعة الفرنسية في مصر وأشرت إلى دار مصر في المدينة الجامعية الجاري إنشاءها وإحنا طمعين شوية حاولنا إن إحنا ناخد القطع المجاورة لها وأنا طلبت منها تساعدنا في هذا وده هيضاعف من قدرتنا على الاستيعاب وبالتالي هننتقل من 190 أوضة إلى حوالي 370 أوضة هيكون الكنيسة فيهم 300 Sur la cité internationale, je vous rassure tout de suite, j'ai vu Jean-Marc Sauvé la semaine dernière et il en veut une deuxième. Donc je trouve des terrains pour faire une deuxième cité internationale. Donc il y aura des nouveaux terrains, il y aura des super, super. Good news. Mais je suis tout à fait volontaire. On a en Ile-de-France les langues orientales, on a des élèves qui sont extraordinaires, qui peuvent très très bien être des volontaires. Moi, je suis prête à faire un projet. Et effectivement, on a noué des partenariats avec Erevan, avec Beyrouth, avec Hanoï, qui sont de ce type, avec Casablanca, avec Tunis, qui sont de ce type. C'est-à-dire qu'on les aide, on aide des institutions locales françaises, et on leur donne des moyens pour être meilleurs. Donc ça pourrait être l'université française si elle a besoin de s'améliorer, ça pourrait être les jésuites s'ils ont des projets. Enfin, après, c'est à vous de nous donner la clé d'entrée qu'on peut aider à développer. Short example, il y a Casablanca ou Tunis, dans le projet au Maghreb, il y a une majorité à l'église. إن هم بيتعاونوا مع institutions local علشان يعملوا التعليم اللغات والإدوكيشن فممكن نعمل يعني حاجة
زيها ما ممنوع مصر. تعليم اللغات مفتاح لحاجات كتيرة، سواء مفتاح للعمل أو مفتاح للدراسة. L'apprentissage des langues est une clé pour beaucoup de choses, soit pour l'emploi, soit pour les études. شركات فرنسية كثيرة تفتح في مصر ومشروعاتها كثيرة، من أشهرها مشروع مترو الأنفاق، بيحتاج دائما ناس متمكنة في اللغة الفرنسية. Il y a plusieurs entreprises françaises qui font des projets en Égypte, parmi lesquels le métro. Dans les tunnels, ils ont besoin de gens qui soient vraiment francophones, qui parlent les deux langues. اللغة تعتبر هي بداية جيدة جدا ونحن نقدر أي مساعدة في هذا المجال. Donc les langues c'est vraiment un très bon début et nous apprécierons beaucoup une coopération dans ce domaine. Et on a développé aussi une application qui correspond à ce que vous souhaitez. C'est une application pour apprendre le français langue étrangère pour tous ceux qui arrivent en Île-de-France de l'étranger. Et cette application, elle est sur téléphone et elle est très ludique. Elle est avec des bouts de films. Alors le problème, c'est qu'il faudrait réussir à la traduire, à le faire pour des personnes qui parlent arabe au départ. Mais je crois que c'est possible aujourd'hui. هم عمل application على الموبايل يعني إنه ممكن الناس تتعلم اللغة الفرنسية بالتليفون وبعدين معمولة بطريقة يعني بتكذب هيك في أفلام وممكن يعمل له adaptation علشان تبقى للناس اللي هم من أصل عربي اللي بيكلموا عربي. Très très volontiers, parce que effectivement, ce que je lis beaucoup sur l'Égypte, c'est que l'Égypte se tourne de plus en plus, les jeunes Égyptiens se tournent de plus en plus vers les Émirats, vers le Moyen-Orient, et de moins en moins vers l'Europe, à cause de la barrière de la langue. Il y a un état qui est très important, parce que les jeunes vont à l'Émirat, vont à l'Émirat, ils ne vont pas à l'Europe, parce que c'est la langue. في مصر هنا لما حد بيحب ياخد الجنسية بيشترط عليه انه يبقى عنده مستوى معين في الفرنسا بيقدم الشهادة دي. فممكن في مصر مثلا اللي عايز ياخد منحة لفرنسا يكون بيقدم شهادة معينة في 2 سنتر دلوقتي اللي هما سنتر فرنسي عشان يعلموا اللغة، واحد في المنيرة وواحد في مصر الجديدة، ودول هو المركز الثقافي الفرنسي. فممكن هم يدعموا المركز ده ويزودوا عدد الفروع ويعملوا شهاده معتمده، يعني اللي يجي له المنحه لازم يقدم الشهاده دي، لو ما عندوش الشهاده دي ما ياخدش المنحه. اقول لها كده؟ يعني فكره كويسه؟ بس هي فكره التطوع المتطوعين اللي يتعلموا اللغة بنجمع لهم اللي هيتعلموا في الكاتدرائية. تمام. احنا بنبقى متحكمين فيهم في نظامهم في وقتهم في كل حاجة. ممكن يعملوا فرع في الكاتدرائية للمركز الثقافي؟ مش عارف دي عمليا صح ولا لا، يعني اعتقد مش مظبوط. عشان المسلمين مش يقدروا يروحوا الكاتدرائية. فهي الفكرة اللي متطعناها في اللغة الإنجليزية في الإنجليش إنه جبنا الأولاد نظمناهم عملناهم الفصول مشت الأمور حلوة خالص. دي رابع سنة في اللغة الإنجليزية. بس هي